Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo Clash Royale qui va parler de la toute nouvelle unité de Clash Royale. Vous êtes pas sans le savoir. Non, vous êtes pas sans le savoir. Il y a une toute nouvelle unité qui arrive. Moi je l'appelle la paladine, elle s'appelle la guérisseuse armée. C'est une unité qui soigne en tapant. Voilà, elle soigne en tapant, elle est extrêmement tanky. Et oui, j'ai fait différents tests d'interaction pour vous. Donc celle contre la tour, contre une tornade, contre des unités en solo, mais également différents decks dans lesquels elle synergise bien. Alors à dénoter qui est notre petite guerrière armée, en termes de stats et de points de vie, elle a 1584 points de vie au niveau 9. 1584 points de vie. C'est quasiment les HP de la Valkyrie. Voilà, voilà, c'est dit. Elle a à peu près les points de vie de la Valkyrie. Sauf que quand elle tape, elle soigne en zone tout le monde. Ok. Elle a la portée d'un prince. Elle a la portée d'un prince. Portée mêlée longue. 1,6 cases. Ok. Donc elle tape aussi loin qu'un prince. Elle a les HP d'une Valkyrie. Elle coûte 4 d'élixir. Et elle soigne tout le monde en zone. Ok, elle tape pas en zone par contre et elle fait pas très mal. Elle tape à 123. 123, c'est un petit peu plus que ce qu'il faut pour tuer un gobelin à lance. Ok, donc il va falloir pas mal de coups pour qu'elle tue une autre unité. Genre une voleuse, des trucs comme ça qui vont servir un peu de points de vie, un chevalier. Ça va lui demander du temps, ça va lui demander clairement du temps. C'est pas beaucoup 123 dégâts. Voilà, vous avez les stats. Vous avez les stats, vitesse de frappe 1,5, donc une vitesse assez lente mais correcte. C'est pas trop lent, mais c'est pas super rapide non plus. C'est genre... Fiu. Fiu. You. Voilà, c'est correct, parce qu'elle se soigne, et qu'elle a plein de points de vie, et qu'elle coûte 4 d'élixir, et qu'elle est rare. Donc voilà, ça c'est la paladine. Je vous invite maintenant à aller checker les interactions et les gameplays que j'ai fait donc contre Maxime de Clash Royale FR. Donc à savoir que je suis sur un serveur de dev, sur un serveur de test, et vous aurez l'unité à partir du 2 décembre, donc à partir de lundi, sur le jeu en théorie. Des fois elle arrive un tout petit peu plus tard, en tout cas elle arrivera très bientôt pour la saison 6. Donc saison 6 elle arrive, et j'ai fait différents tests de deck, avec des synergies où je pense qu'elle est bonne, et surtout je me suis éclaté à la tester. Honnêtement j'ai passé un très bon moment, et j'ai un avis très personnel sur la carte que je vous donnerai en fin de vidéo. Je vous laisse mettre ce que vous en pensez, vos ressentis, au moment où vous les voyez dans les commentaires, et on se retrouve tout de suite. Quasiment autant de points de vie que la Valkyrie. Bah d'ailleurs, en parlant de Valkyrie, Valkyrie est utilisée en face, et là on peut le voir. Bon, sous la tour en face, évidemment la Valkyrie l'emporte, parce que Valkyrie elle fait beaucoup plus mal. Et vous allez vite voir les dégâts qu'elle fait seule sur une tour. C'est parti. Nanana. Ok, regardez bien les dégâts qu'elle va coller. Donc là, elle arrive sur la tour. Okay. Elle a encore beaucoup de points de vie hein, quand elle arrive sur la tour. Alors certes, elle fait pas très mal, mais... Bah, elle tank. Hein. Elle met à la tour, elle met 30 ans à tuer. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une unité tanky à ce point-là. Peut-être le golem, hein, le golem, mais c'est tout. Quoi. Oh, 812. 812, elle met la tour à 812, c'est incroyable. Contre la mousquetaire défendue par une musk, la musk. Donc elle met un coup, elle met deux coups, elle met trois coups. Trois coups avant de tomber avec la mousquetaire. En 1v1 contre une mousquetaire au niveau du pont. Ok, la mousquetaire n'a aucune chance. Elle a complètement aucune chance la mousquetaire. Alors avec un bulliste, ouais, le bulliste. Donc le bulliste il la repousse bien. Effectivement. Donc là, ça la gère. Oh, elle a quand même le temps de lui mettre un coup. Elle lui met deux coups. Ah, pas mal. Non, il la repousse bien. Ok, donc Bully, c'est une carte qui devrait bien la gérer. Allez, c'est parti. Alors, contre la tornade, est-ce que on peut activer, du coup, la guérisseuse avec une tornade? Normalement, oui. Il n'y a pas de raison, mais... Ouais, ça se passe, ça se passe. Ok, si elle est seule sur votre tour, vous pouvez mettre une petite tornade. Bon, elle aura le temps de tuer le roi, certes, mais au moins, vous avez le roi qui est activé. Ok, super. Ok, donc on est parti, qui utilise une fournaise first. Donc là on est parti sur une variante Bridge Spam avec notre guérisseuse armée pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, j'avais un petit peu envie de voir dans du Bridge Spam ce que ça pouvait donner. Je pense que là on va aller juste rajouter directement un petit fût pour aller gérer le spawn de la fournaise. Ça va arriver en même temps que le barbare, voilà, ça va faire des dégâts. Donc désormais, bon, elle va tomber sur la tour, mais est-ce qu'elle arrive à caler des dégâts ici? Ça peut être déjà pas mal. Donc apparemment il est parti sur... Il serait parti sur une espèce de GR ou de golem, je sais pas exactement. Ok, c'est un GR,
C'est un GR, donc on va faire un contre-page direct. On va essayer de le bloquer avant qu'il connecte. Ah, il connecte malheureusement. Bon, ok, on s'est un petit peu raté là-dessus. Je suis pas encore habitué à jouer sur tablette. Alors, je suis pas du tout habitué à jouer sur tablette, d'ailleurs, pour être complètement exact. Donc forcément, c'est un peu galère. Bon, là, on va avoir la rage du bûcheron, donc évidemment, on rajoute un peu. Histoire de, bah, de profiter de la rage, hein. Comme ça, voilà, la rage, ça permet de tomber la tour avec la petite voleuse qui met des bons dégâts. Et on va tester la bataille hideuse dans différents decks. Comme ça, on pourra vous dire. Bah, je vais l'appeler la paladine, ça sera plus simple. On va tester la paladine dans différents decks. Comme ça, on pourra vous donner une bonne idée de si elle fonctionne ou pas et dans quel deck. Donc là, je vais juste recycler, je pense, un fuit de barbare par là-bas. Je pense qu'il va rajouter une fournaise incessamment sous peu. Donc là, pour l'instant, elle est juste à MG. Donc la MG, on va la gérer avec. Ouh. Ok. Ah ouais. Est-ce que là je la ferai pas tanker du coup? Parce que là je vais prendre cher sur mon unité. Et je rajoute une voleuse dans le pocket. Et là j'espère qu'elle soigne tout le monde. J'espère, elle soigne tout le monde hein. Tu fais des gros soins de zone là, des gros soins bien vénères. Oh ça c'est bien, c'est exactement ça qu'on veut. Oh. What? Ah le soin qu'elle a redonné à tout le monde? Mais c'est pas vrai. Oh. Incroyable. Oh c'est hallucinant, mais regardez ça! Regardez ça, ça meurt pas! Infernal, ça fait 3 ans qu'il est là. C'est pas vrai. C'est ouf. C'est incroyable. Mais toi, c'est hallucinant. Alors, si elle est sous la rage du bûcheron, qu'est-ce que ça donne? Ah, faut que tu les tues tous. Hein. Par contre, bah, la petite soigneuse. Oh là là, mais regardez ça. Qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires? Qu'est-ce que vous pensez de l'unité? Du soin qu'elle aurait donné. Oh. What the fuck? Alors là, alors les cochons royaux, qu'est-ce qu'elles donnent dans un deck cochon royaux? A dénoter que les mousquetaires ont été également améliorés. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller regarder la vidéo dédiée. Il y a une vidéo explicative sur le sujet. Oui, il faut que tu joues, Ça marche pas bien sinon. Donc là, je vais juste cycler 3 M fond de map. En mode, vas-y, utilise tes sorts, tranquille, pas de pression. J'ai envie de recycler un peu mon deck et de la récupérer évidemment. Donc on va juste remettre un fuite barbare par là-bas. Comme ça, il valait pas tuer nos mousquetaires, hein, c'est quelqu'un de bien. What? Il nous a mis cher. Hein. Il a mis quelques petits dégâts, ok, très bien. Là, je vais laisser le push mourir, c'est pas grave. Je vais attendre un petit peu de voir ce qu'il met. Oh, très bon golem de glace de sa part d'ailleurs. Ok, à droite, on met quelques dégâts. Ok, je vous zappe, hein. Golem de glace, prince ténébreux, ok. On va juste aller cycler ce qu'il y a de fond de map. Et je vais attendre de voir ce qu'il fait. Donc il pose un infernal. Donc je vais aller en chasseur du même côté. Mon but ça va être de, évidemment de défendre. Potentiellement le chasseur va se prendre quelques dégâts. Et du coup remettre une soigneuse armée derrière. Alors là par exemple à droite on peut défendre avec ça. On peut mettre un golem de glace en plus. On va mettre un peu ça. Petit chute barbare. Histoire de réduire les dégâts monstrueux qu'on va se prendre. Elle est en train de prendre cher là quand même hein, notre guérisseuse armée. Hein, derrière. Je tiens à le dire. On n'est pas bien. On est clairement pas bien. Mais c'est pas grave parce qu'on a une solution. Ça s'appelle bourrer derrière la guérisseuse armée. Donc là, soit il a un gros sort et on n'est pas bien, soit ça va bien se passer. Oh, très bon kite de sa part. En plus, il a le. C'est tellement bien joué. Alors, il les a un peu soignés. Elle les a un peu soignés quand même. Oh là, comme elle tank. C'est pas vrai. Regardez ça, quoi. Regardez les gars que les cochons royaux ont pu mettre, quoi. Allez, sinon, j'ai envie de rajouter une autre guérisseuse en mode. Vas-y, je contre-pêche avec. Mais quand même on l'a pas fait, voilà, on a eu respect. Donc là on va juste remettre une guérisseuse sous la tour. Je pense que sous la tour c'est quand même pas mal. Surtout si la tour focus en face une unité, je pense qu'on est plutôt bien. Ouais, on est plutôt bien. Ok. Là on peut se permettre de partir en 3M fond de map parce qu'on arrive en x2. Ah ok, elle se déploie séparément comme ça. Oh, oh ça me paraît fort. Oh elles vont revenir méta les 3 mousquetaires. Moi je vous le dis, les 3 mousquetaires, elles vont revenir méta les petites 3M. Ok, on va stopper ça vite fait là. Hop. Alors mon but c'est évidemment de recycler la guérisseuse pour soigner mes mousquetaires de l'autre côté. Je sais pas dans quelle mesure ça sera possible ou pas, mais on va essayer. On va essayer de faire en sorte qu'elle arrive à taper quand même, ça serait bien. Non, le zap, non. Ok, toi tu es là. Ouais, tu es là. Alors, ok, donc à droite on a mis pas mal de dégâts. On pourra finir à la boule de feu si on le veut, si on le désire, si on a envie. Oh là 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 là, mais le travail qu'elle fait, c'est hallucinant. Honnêtement, c'est fou, c'est vraiment incroyable. Eh, je vais faire ça. Eh, écoutez, regardez. Regardez ça, ce push, monstrueux. Ça, c'est le nouveau push de l'année. Hein. Indéfendable. Indéfendable, ce push. Regardez ça, regardez la puissance du truc. Indéfendable, complètement indéfendable. Vous faites une guérisseuse armée, une paladine. Paladine cochon royaux, et honnêtement, c'est indéfendable. C'est beaucoup trop fort, c'est beaucoup trop pesé. Elle est incroyable. Et franchement, les nouvelles trains mousquetaires, elles m'ont l'air super badass aussi. Parce que du coup, ça évite que les sorts les tapent et tout, ça me paraît vraiment fou.
Genre vraiment, ça me paraît vraiment incroyable. Alors on est parti sur un troisième deck avec le cette fois-ci avec du golem d'élixir. C'est pour vous donner un peu des idées, de l'inspiration et également vous permettre de voir le gameplay. Alors du coup il est parti en archimagique fond de map, on va juste lui mettre un poison. Alors on espère qu'il n'a pas une guérisseuse de combat pour soigner là-dessus. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. De toute façon, il aurait fallu qu'il nous tape, donc jusque-là, ça va. On va décider de défendre comme ça, comme ça. Ok. Alors, je pense qu'elle peut tanker un petit peu, donc je vais essayer de la mettre là pour qu'elle prenne des coups de batte et qu'elle se soigne. Voilà, ça. Soigne-toi, soigne tout le monde. Réduis les dégâts sur la tour, et nous, on part en contre-push derrière. C'est parti. Alors là, là, on a un push, mais alors, si elle arrive à taper, on est bien. Genre, juste, on est extrêmement bien si elle arrive à taper. Bon, ça reste une condition... condition, hein, mais bon, voilà, dans le monde où ça se passe... Allez, tape! Tape, battle lineuse! Oui, c'est bon, elle est connect! Ah, et voilà, et là, ça fait du bien. Tout le monde a pris son petit coup de soin, c'est bon, tout le monde est content. Nickel, on a pris notre petit coup de soin. Alors là, je vais pas forcer plus, on a quand même beaucoup de dégâts, il va devoir redef. J'aurais bien envie de mettre un poison, mais honnêtement, ça me semble un peu... Oh, notre arche magique! Oh, oh, les dégâts qu'on a mis. Mine de rien, on aurait peut-être dû rajouter le chute barbare. Genre en mode, on rajoute quelques dégâts. Oh là là, c'est ouf. C'est incroyable. Je vais la mettre là pour qu'elle tempo, qu'elle tanque un petit peu tout le monde. Voilà, parfait. Ok, donc il ne met pas de dégâts avec le dragon, donc pour l'instant je vais garder comme ça. Vous avez vu comment elle soigne? Elle a soigné à mort, quoi, c'est incroyable. Et là on fait ça, ça, et on rajoute un poison, instant. Et là on rajoute après direct un fuite barbare. Pour mettre des dégâts sur la tour. Et là normalement on a notre push golem d'élixir. On a la battle news et tout, on a tout, c'est incroyable. C'est beaucoup trop mal hein. Beaucoup trop mal. Attends, qu'est-ce qu'elle est forte. Et dernier, évidemment, ce petit deck, il fallait que je vous le teste, il fallait que je vous le montre. Dans du golem. Alors là, bon, j'ai pas trop réfléchi le deck, je peux pas vous mentir, je l'ai pas spécialement réfléchi pour. J'ai pris ce qui me faisait plaisir, de façon à tester un petit peu dedans, mais bon, voilà, c'est pas genre penser pendant longtemps avec une longue et mûre réflexion, ceci sera le meilleur deck golem. Alors je vous en ferai des vidéos, le meilleur deck golem sorcier la nuit, ça c'est sûr. Mais ce sera pas sur cette vidéo là, voilà, là c'est juste en mode tranquille quoi, en mode pépouze. Donc là, normalement, le bûcheron sera quand même là à temps, sans se prendre de coups de tour. Voilà, c'est un bon bûcheron. Donc il y a la Tessa qui est posée. On va partir en golem de golem. Là, normalement, lui, il aura le temps de découper elle. S'il nous met un fût, on met une tornade. Sinon, on n'active pas. On attend. Ok, c'est bon. Alors, on a notre guérisseuse en 8ème carte. Donc ça va être la prochaine carte à jouer. Soit on garde ici pour la foudre, soit on dit, au fait, la Tessa va pas nous faire si mal que ça. Elle est déjà à mi-HP. Ce qui me semble être un bon call, hein, une bonne décision. Donc, on va juste faire ça. Quoique, en vrai. En vrai, elle est embêtante, je vais quand même la tuer. Okay, il va pouvoir défendre. L'avantage, nous, c'est que même si on perd beaucoup d'élex là-dessus, très belle défense, d'ailleurs, de la part de Maxime, au moins, il nous a pas attaqué pendant ce temps-là. Voilà, c'est ce que je dis souvent. C'est quand vous attaquez, au moins, l'adversaire vous attaque pas. Voilà, c'est toujours ça de prix. Je vais peut-être rajouter une pluie de flèche si rajoute quelque chose devant la princesse. Je vais attendre de voir. Sinon, il se prend juste une battle leaduse. Une paladine. Elle met deux coups hein, pour tuer la princesse. Et maintenant, ça a demandé une défense. Et c'est ça qui est intéressant. Ouh. Ah, je m'attendais à fuir, mais pas du tout. Ok. Donc ça, ça tombe. Ça ensuite, je pense qu'on a le contre-push qui est suffisant. Parce que genre, elle a beaucoup de points de vie. Elle a genre beaucoup de points de vie. Donc on peut juste mettre une sorcière la nuit fond de map. On va regérer ça. Donc là, évidemment, Valkyrie, bon bah ça va la tuer. Ça c'est chagrin, mais s'il rajoute une princesse, on rajoute directement le bleu dragon. Sinon, ouais, si je vais rajouter le bleu dragon. Ça me paraît bien, ça on va bien bloquer son push à lui. On peut même faire ça, comme ça, ça va quand même tuer la princesse dans le tas. Hop là, elle tombe. Et derrière, on peut se permettre de poser notre golem. Donc là, on va avoir faire un push. Golem, on a notre sorcière la nuit. On va avoir notre bûcheron et tout, là on devrait être pas trop mal. Donc on va juste faire ça, ça pour gérer les gobelins. Pa. Donc j'ai mis autant d'élex que lui, mais c'est pas grave, ça me gêne pas. Parce que là, derrière, on va pouvoir faire un truc intéressant, c'est-à-dire qu'on va garder un peu d'élex pour jouer notre foudre. Ok. Parce qu'il va sûrement vouloir reposer Tesla. Ici, par contre, je vais quand même prendre des dégâts, donc je vais faire un truc... quand même sur def. Ouais, j'ai pas trop sur def, mais son push est vraiment bien avec le bélier, et ça nous force beaucoup plus d'élixir que c'était autre chose. Donc on va faire ça quand même. Et fiu. Voilà, vous avez compris l'idée. On va rajouter directement un petit bûcheron et essayer de forcer un peu, voir si ça passe. Parce que là, on a quand même la soigneuse armée qui est la paladine, qui est sur la tour. Et là, elle est en train de soigner la golemite. Oh là 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 là. C'est incroyable. Hein. Oh, cette unité.
Bon, est-ce qu'on appelle au hard nerf ou pas? Je vous laisse me dire dans les commentaires, est-ce que on appelle déjà au hard nerf ou pas la carte? Est-ce qu'on fait un nerf d'urgence déjà, la vidéo nerf d'urgence ou pas? Voilà. Donc vous avez eu l'occasion d'aller voir un petit peu les différents tests, les différentes interactions et les différents decks dans lesquels elles vont, donc dans des matchs que j'ai fait contre Maxime. Bon alors bon, je suis sur la tablette, etc. C'est pas le but de faire des matchs tryhard, hein. C'est de tester vraiment la nouvelle unité, donc on n'a pas spécialement tryhard, mais on s'est éclaté à tester un petit peu la paladine. Honnêtement, je pense qu'elle est extrêmement puissante, très très puissante, trop puissante, beaucoup trop forte. Alors il y aura des contres, hein. Arc-X, tout ça, tous les decks qui vont l'empêcher de connecter, ça va être bien. Il faut vraiment voir ça dans les optiques où il faut que vous l'empêchiez de taper. Et il n'y a pas tous les decks qui l'empêchent de taper, mais voilà. Il va falloir faire des decks autour, parce que sinon ça va être fort. Ça va être très fort, vous avez peut-être pu le voir sur les matchs, elle tank à mort et le soin qu'elle redonne c'est incroyable. Pour 4 d'élixir, ça vous ajoute une valeur impossible à votre push. Sur les pêches golem, sur les pêches golem d'élixir, sur les 3 mousquetaires, sur tous ces trucs-là, où il va y avoir du swarm à côté, des troupes à soigner, ça va être fort. Ça va être très très fort. Ça va moins bien synergiser avec du cimetière ou autre, parce que, bah, en fait, ça va bien synergiser avec des troupes qui ont besoin d'être soignées. Les troupes qui sont one-shot, bon bah voilà, il n'y a pas spécialement besoin de les soigner. Mais tout ce qui va être BDF bait, donc avec les cochons royaux, les barbares, etc. Pareil, vous soignez des barbares, vous êtes aux anges. Vous vous mettez extrêmement bien. Même là, je vais faire un peu sur Bridge Pam pour m'éclater, donc je pense pas que ce soit une carte pour le Bridge Pam spécialement. Mais vous avez vu, si on soigne le bûcheron, on découpe absolument ce qu'on veut. Si t'as elle et une autre unité corps à corps qui fait mal, qui se fait soigner en plus, tu gères ce que tu veux. Honnêtement, je pense qu'elle est très puissante. Je pense que c'est obligé, 100% sûr, on la voit dans des decks. Elle ne sera pas une carte morte qui ne sera pas jouée. Ça, c'est sûr. La mécanique est-elle intéressante? Oui, oui, elle est intéressante, la mécanique. La mécanique est très plaisante. Moi, on m'a dit, il y a une paladine, j'étais en mode... Oh, trop bien. Genre, trop bien, quoi. Ça me faisait tellement plaisir. C'est une mécanique super intéressante, ça me fait plaisir, ça force à kiter la troupe, etc. Ça force à faire des contre-mesures, ça force... beaucoup de choses, et je trouvais ça vraiment super cool. Par contre, est-ce qu'elle est pas un peu trop forte? Elle m'a l'air. Là, on a fait quelques parties pour tester, c'est pas suffisant, évidemment, pour savoir exactement sa place dans la méta, mais elle a déjà beaucoup de synergie avec beaucoup de cartes, et en plus, à elle seule, elle tank énormément. Vous rendez compte, à elle seule, elle met la tour à 800 HP. Vous rendez compte le tank que c'est? Il va forcément falloir mettre un burst dessus, mais en même temps, vous pouvez pas mettre de sort. Parce qu'elle est absolument pas rentable à mettre de sort dessus. Pas mettre une BDF sur une troupe qui a 1600 HP, vous en rendez compte, et qui coûte autant d'élixir, ça ne tient pas debout, ce n'est pas possible. Donc à part des archétypes qui, justement, pour l'empêcher vraiment de connecter, comme Arc-X, ou les trucs aériens, comme le Molos, qui l'empêcheront également de toucher les unités au sol, ça risque d'être une carte qui est très forte, donc on va sûrement revoir davantage de dragon de l'enfer, des cartes comme ça, parce qu'il y a plusieurs contres, hein. Les contres ça va être tour de l'enfer, dragon de l'enfer, les archiques qui vont l'empêcher de toucher à tour en face, tout ce qui va être Tesla, etc. Enfin, les cartes vraiment qui vont lui faire des dégâts et qui vont l'empêcher d'aller connecter, donc soit les troupes qui tapent de loin, soit les troupes qui sont aériennes simplement, donc tout ce qui va être MG, gargouille, mais surtout voilà, dragon de l'enfer, ce sont des cartes qui marcheront très bien contre. A voir du coup ce que ça donne et quels seront les nouveaux archétypes, mais en tout cas je mettrai ma pièce sur du golem élixir des cochons royaux et du BDF bait. Je vous laisse me dire, vous, dans quel deck vous l'imaginez et quels sont vos ressentis personnels. Je vous souhaite à tous, évidemment, une excellente journée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et on se retrouve très vite pour davantage de vidéos et, évidemment, davantage de live. Excellente journée à tous.